Salut tout le monde, c'est Ayao. Donc c'est la première fois que je fais ce style de vidéo sur ma chaîne YouTube depuis 2011 quand même. Donc c'est assez spécial. En fait, c'est pour vous annoncer que ce mois-ci, je ne ferai pas des vidéos des sorties jeux vidéo du mois de juin. Vous avez dû remarquer que depuis quelques temps, je faisais ça. En fait, tous les mois, je prends le calendrier de toutes les sorties jeux vidéo. Enfin, la plupart des sorties, parce que c'est impossible d'avoir toutes les sorties, il y a tellement de jeux. Et en fait, je mets les trailers des jeux qui vont sortir dans le mois en cours. Donc, j'avais commencé à faire ça il y a quelques années sur eLive. Donc, ça m'avait pris comme ça. Un jour, je me suis dit, tiens, je vais faire ça. J'aime bien ça parce qu'en fait, ça me permettait de voir qu'il n'y a pas que des FPS qui sortent. En fait, à l'époque, on avait souvent des débats sur les jeux vidéo d'aujourd'hui, comment c'est fait, etc. Et beaucoup constataient qu'il y avait beaucoup de FPS, des jeux de tir qui sortaient. Et j'avais besoin de me convaincre du contraire. Et donc, je me suis dit, j'allais faire ce genre de vidéo-là pour voir que, en effet, il n'y a pas que des FPS qui sortent dans le marché. Il y a plein de jeux. Et c'est impossible de tout voir parce qu'il y a tellement de jeux indés, les jeux sur Switch, les jeux sur Steam, il y en a 1 milliard. C'est impossible de suivre. Mais de prendre un peu les plus gros jeux, les jeux mis en avant par les éditeurs, et voir un petit peu la variété des jeux vidéo qui sortent sur le marché. Donc là, en fait, pourquoi je ne ferai pas de vidéo ce mois de juin-là? Tout simplement parce que là, je passe un mois de mai. Là, à l'heure où je vous parle, on est le 1er juin, mais j'ai passé un mois de mai terrible. Enfin, dans le bon sens du terme, hein, c'est qu'en fait, je suis très fatigué. Parce que ce mois de mai, il faut savoir, je suis parti aux États-Unis. Je suis parti à Manhattan. Donc, c'était la première fois de ma vie que j'allais aux États-Unis. Et donc, entre ce voyage-là, plus dans le même temps, en fait, j'ai déménagé. Et oui, là, on est dans mon nouveau chez moi. Et donc, le déménagement aussi très fatigant, plus le travail, etc. Donc, là, je suis explosé. J'ai plus de chakras, j'ai plus de Réatsu, appelez ça comme vous voulez. J'ai plus de ki. Je suis vraiment épuisé, sachant que, évidemment, tous les jours, je travaille. Et du coup, vu que j'ai emménagé tout récemment, je n'ai pas encore Internet. J'aurai Internet d'ici quelques jours. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que j'ai la fibre. J'aurai la fibre. Donc ça, c'est bien. Ça va changer pas mal de choses. Mais je ne l'aurai pas avant plusieurs jours. Donc c'est pour ça que je ne pourrai pas faire de vidéos YouTube. Ça fait au moins 3 semaines que je n'ai pas touché la console. J'ai un peu joué hier soir. J'ai branché ma télé dans mon nouveau salon. J'ai tout branché les Xbox histoire de voir si ça marchait, donc j'y joue un peu, mais bon, j'appelle pas ça à jouer quoi. Donc voilà pourquoi je ferai pas de vidéo des jeux du mois de juin. Et par contre, j'ai fait des vidéos quand j'étais à Manhattan, à New York, et je compte les mettre sur YouTube. Donc évidemment, ça prend du retard parce que je suis pas dans les conditions pour, mais je vous partagerai ça sur ma chaîne YouTube. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour ce format vidéo, parce que c'est beaucoup plus simple à uploader sur YouTube. Ça prend moins de place. En fait, mon fournisseur d'accès Internet, en attendant que j'ai mon équipement, ma box, ils m'ont prêté une clé 4G, donc qui est une connexion qui est plutôt correcte, mais pas assez bonne. Déjà, ce n'est qu'en Wi-Fi, et pas assez bonne pour uploader des bonnes vidéos, etc. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour ce format vidéo. Donc voilà, c'était juste pour vous annoncer ça. Là, le fait que j'ai déménagé aussi, l'avantage que ça aura pour moi et pour ma chaîne YouTube, c'est que là, j'ai un plus grand espace, donc je pourrais un peu plus m'isoler pour pouvoir jouer et faire des vidéos YouTube. Parce que là où j'habitais précédemment, des fois, je n'osais pas trop parce que j'avais peur de réveiller femmes et enfants. Pour ceux qui ont des femmes et des enfants à la maison, vous comprenez forcément. Donc là, comme c'est un peu plus grand, j'aurai un peu moins cette contrainte-là. Donc je pourrais plus m'adonner à ce plaisir, à savoir faire uploader mes gameplays sur YouTube. Donc je vais couper cette vidéo et je vais juste en enchaîner une autre où je vais vous parler un peu de l'E3, de mes attentes pour l'E3. J'aurais voulu faire un autre format de vidéo, mais là, ce n'est pas possible. Donc je coupe cette vidéo. Pour ceux qui vont se contenter seulement de cette vidéo, je vous dis à la prochaine sur YouTube. Je pense que je serai de nouveau actif plutôt vers mi-juin. Voilà.
Et pour ceux qui me suivent de manière assidue, je vais enchaîner direct une vidéo aussi pareil, très bref, où je vais vous parler de l'E3. Voilà. Allez, ciao tout le monde.